Présence de Willy Ngoma à Byumba. Rwanda. Révélation de l'implication présumée du Rwanda dans les attaques contre la RDC. Récemment, Willy Ngoma, identifié comme le porte-parole de RDF M23, a été filmé dans la province de Byumba. Kama piko naendelea kuua watu jinsi mimi nafanya. Like mimi ndio najua. Unajua vizuri sana. Ambia wale ambao wanatufuatilia kwenye Pingwa TV waambie wapatie ujumbe. Ujumbe sisi tunasema jinsi president anasema sisi tunapenda amani hatupendi vita. Ndio. Lakini kama government ya Kongo iko naendelea kuua watu tutaenda ukoo wa Kongomani ambao viko na shida. Tuko tayari kwa hiyo. Afande, kama kabla hujaenda. Afande, kabla hujaenda. Goma utende ifasiria iko vita Goma. Ah, president anasema sisi hatuogope Goma. Hatupendi enda Goma. Lakini kama mauaji kunaendelea, tutaenda huko abatu. Neno kubazalendo. Afani. Ile ni mafuta bangi. Mazalendo ni mafuta bangi, sio maneno na kusema mazalendo gani. Ile ni mafuta bangi kabila na wakamata me. Hakuna kitu. Neno ku jeshi la Urundi ambapo linakamatiwa mateka na jeshi leno afani. Iye jeshi kabisa, maneno ambapo president anasema, maneno wanako nafanya ni maneno vibaya sana. Esha kuwa wadui. Na utu na ukamata Urundi sasa wadui yetu sasa. Hivi muko tayari kukompatile na Barundi. Tuko tayari kukua Au Rwanda. Les images montrent Ngoma rendant visite à sa femme et à ses enfants au Rwanda, ce qui soulève des questions importantes sur le rôle présumé du Rwanda dans le conflit en cours en République démocratique du Congo, RDC. L'apparition de Willy Ngoma à Byumba, une province rwandaise, ajoute une couche de complexité aux accusations concernant l'implication du Rwanda dans les attaques contre la RDC. Les images montrent Ngoma qui serait un rebelle, en présence d'un environnement rwandais bien armé. Cette révélation renforce les soupçons selon lesquels le Rwanda, sous la direction du président Paul Kagame, pourrait participer activement aux actions menées contre la RDC. La vidéo soulève des inquiétudes quant à l'étendue de l'influence et du soutien du Rwanda aux personnes impliquées dans des activités de rébellion contre la RDC. L'environnement bien équipé dans lequel Willy Ngoma est présenté suggère un niveau d'organisation et de soutien qui mérite une enquête plus approfondie. Ce développement remet en question la position officielle de l'administration de Paul Kagame, qui a toujours nié toute implication directe dans le conflit en RDC. Les images de Ngoma dans la province de Byumba alimentent le scepticisme à l'égard des affirmations de Kagame, car elles impliquent un lien plus complexe entre les territoires rwandais et les éléments contribuant à l'instabilité dans la RDC voisine. Alors que la communauté internationale continue de se débattre avec les complexités de la situation dans la région des Grands Lacs, la présence d'individus comme Willy Ngoma au Rwanda soulève des questions pressantes sur le rôle de la nation dans le conflit. Elle incite à réévaluer les récits entourant la crise en RDC et exige un examen approfondi des liens présumés entre les rebelles et le gouvernement rwandais. Les implications de la visite documentée de Willy Ngoma à Byumba
vont au-delà des affaires personnelles, suggérant une implication plus profonde qui mérite d'être examinée. Cette révélation souligne la nécessité d'une enquête approfondie pour déterminer l'étendue de la participation du Rwanda au conflit en cours en RDC.